Action. Je refais le clap. Je m'appelle Katia Jaffres-Runzer et je suis enseignante-chercheure en réseau informatique. Être chercheur en informatique et plus particulièrement en réseau informatique, c'est d'imaginer le monde numérique de demain, le concevoir et prouver qu'il va fonctionner comme on le souhaite. Dans ce monde numérique, on peut imaginer, par exemple, une maison qui deviendra intelligente, où la maison va s'adapter à l'utilisateur et que ce ne soit pas l'inverse, comme c'est le cas actuellement. Mon travail de recherche, c'est de montrer comment on pourra, dans un futur proche, remplacer les câbles informatiques dans les usines, les voitures ou dans les avions, comme ici, dans la 400M. Dans un avion, il y a à peu près 500 km de câbles. Ces câbles-là sont lourds. Ils représentent à peu près 8% du poids de l'avion, soit 21 tonnes. Si on remplaçait tous ces câbles par des réseaux sans fil et des communications sans fil, on arriverait à réduire le poids de l'avion, à consommer moins de kérosène, et l'avion du futur sera bien sûr plus vert. Alors mon travail de recherche, c'est de définir des modèles mathématiques qui vont représenter tout le réseau qui va fonctionner en sans fil. Ce réseau, il est composé de différents composants et principalement de petits capteurs, comme ceci, qui ont des interfaces radio, des interfaces sans fil, pour communiquer avec des collecteurs de données qu'on appelle des points d'accès radio. À partir de ces modèles mathématiques, mon travail, ça va être de définir quel est le meilleur protocole pour faire fonctionner tout cela, ou positionner au mieux les capteurs pour que l'avion, la voiture ou l'usine continuent de fonctionner normalement. Nickel, on fait juste passer. Allez, moteur. J'espère que mes recherches permettront de mieux concevoir les objets communicants du futur et notamment comment ces réseaux d'objets vont fonctionner. Excellent. Ce qui me plaît énormément et me passionne dans ce métier, c'est d'avoir le temps de travailler sur des problèmes concrets de la vie de tous les jours. C'est le cap de la vie. Cap de fin. Et alors,